Moi, nous sommes là, il veut déchirer la Robert-Est et la courir tout partout pour qu'il soit capable de mettre l'école du dimanche. Stephen Paxson, il a une occasion pour qu'il soit capable de mettre sous pied, écoutez, 1314 écoles du dimanche avec 83405 élèves et étudiants et moniteurs volontaires. Frères et sœurs dans la foi, l'école du dimanche est importante. Ma va retourner sur l'importance première, sur l'importance contemporaine, mais on nous voit qui est importante l'école du dimanche dernier pour l'Église d'après la Bible. Premier élément d'importance de l'école du dimanche, c'est ça nous révéler. Donc, c'est un signe d'obéissance à Dieu. C'est un signe d'obéissance à Jésus-Christ. C'est un signe d'obéissance à la Commission suprême. C'est un signe d'obéissance à la grande commission. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5 à 9, la Bible raconte-nous. Dites-nous que parole saillot, mais qui ça pour nous capables de faire avec Dieu. C'est pour aimer mon Dieu de tout cœur, de tout amour, de toute force. Et commandement ça y est, c'est pour yon cœur. C'est pour montrer pitié pour yon. C'est pour parler avec yon, la caillou. C'est pour aller. Lors pas un voyage, c'est parole ça y est pour parler. Lors à coucher, c'est parole ça y est pour parler. Lors à lever, c'est parole ça y est pour nous bouger. C'est pour marrer autre bouger. Marrer au sommet, mettez-le sur tout côté de mon capable. Mettez-le sur affiche. C'est pour écrire sur tout côté de caillou. Longtemps, frère Axelio, très souvent, leur vivait dans un caillou. Où est belle affiche de la parole? Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mieux vaut un morceau de pain sec, etc. Ou ouais, tout petit parole, ça y est écrit dans tien encadrement dans tout caillou. Je dis à bagaille, ça y est disparaît. L'on paraît dans caillou, en général, ou à bon photo, Messi. L'on paraît dans caillou, ou à bon photo, Rihanna. L'on paraît dans tout caillou, ou à joindre, yon photo, yon, quoi simplement. Yon, Britain, ou apparaît dans tout caillou, ou apparaît dans tout caillou. Mais c'est ça, Bible dit, c'est pour nous écrire tout partout. C'est pour nous écrire tout partout. Dans le premier église baptiste, on va dans tout carré caillou. C'est pour nous écrire parole là. C'est pas seulement l'éternel dans son septembre que toute la terre va silence devant lui. Là, c'est pour nous écrire, fils de Dieu. Rendez à l'éternel, rendez à l'éternel, voilà. Ici avec nous écrit et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pour vous mettre au bout partout, là on paraît que vous voyez. C'est ça qu'il nous dit. Écrivez sur tout poteau caillou, sur tout mio. Vous voyez. Jeune petit fille. Là, on paraît dans le champ, qui s'en ouais, qui réclame le fait pour la parole de Dieu. Qui réclame le fait pour la parole de Dieu. Oui, comme Axomio, Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus-Christ dit, c'est pour nous capables d'enseigner, nous ça nous prescrit nous. Enseignons, ça nous prescrit nous. L'école du dimanche, il est important. Écrions, faites de façon orale, faites de façon écrite, faites tout genre, comme Axelio. L'Espagne dit, quand vaut l'école, quand vaut la nation. Importance de l'école du dimanche dans l'église, c'est important ça. Mais l'église là, il y a pas comme ça. Tout pays qui jodit à gros pays, a gardé pour un premier ça qui l'a donné de l'école, c'est qui. Tout pays qui respecte technique, bah, l'école valeur. Palestinien, yo, Irakien, yo, qu'on t'en dans la guerre chaque jour, si nous dans l'école chaque jour.
Si nous allons à l'école chaque jour, vous venez pour traverser la barricade, ou traverser la barricade parce que c'est l'école où vous allez. L'école des valeurs. Voilà pourquoi je nous dis, tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est Jérôme dit, l'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance du Christ. Frère Maxime, l'école du dimanche qui est importante. Parce que c'est pas lui-même pour nous capables de la connaissance. Et vous rappelez, la définition de la vie éternelle, c'est la connaissance. La définition de la vie éternelle, c'est la connaissance. Pas la connaissance acquise à l'université. À travers les diplômes. Mais c'est Jésus-Christ qui parle la définition de la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance du Dieu unique. Deuxième élément d'importance de l'école du dimanche pour l'Église, c'est parce que c'est un devoir pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu aux générations futures. C'est un devoir que nous gagnons pour nous capables de faire. Faut m'accepter, je dis à moi, ça m'y est. C'est parce que depuis tout petit, 18, je t'appelle même dans l'école du dimanche. L'homme finalement dit, fais papa, maman, etc. C'est pour Dieu, je t'appelle, dit. Jésus, je t'appelle, dit. Et je dis à mais qui côté que l'on est. Verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie ce précepte? Pareil, ça loi fait ma prenio. On va joindre. Sa loi, ça y est, dit. On donne ça y est. Bon Dieu, pour un ban, nous te. Bah, loi, ça y est, on dit. Bon Dieu dit. Ouah, dit petit. Nous te esclaves. La caille pharaon en Égypte. Mon Dieu fait nous sortir à main forte et à bras de conduit. Mon Dieu opère miracle en bas de nous. Lui opère prodige. Lui fait gros bagaille extraordinaire contre l'Égypte, contre pharaon et contre toute sa maison. Et puis il fait nous sortir. Lui mène nous dans nos pays côté où nous liés là, Jotia. L'Éternel, commandez-nous, nous sommes des bagages si là en pratique, afin que nous sommes capables, heureux, nous sommes capables toujours de la vie, Jean-Pierre. Pour qui ça? Mais l'importance de l'école du monde, c'est pour apprendre à qui jeune qu'il a, c'est pour apprendre à génération ça. C'est un devoir que nous gagnons, mes frères et mes sœurs de Christ. Nous sommes insister sur le rôle des parents, papa, maman, pour une église forte. Il y a un monde qui dit, sous les bonnes années de prospérité, on va prendre des graines. Sous les 10 ans de prospérité, on va prendre des bois. Mais sous les 100 années de prospérité, on va faire éducation. Nous pouvons comprendre dans l'IA. Amen. Souvenez vos années de prospérité. Plantez maïs, plantez patates, plantez manioc, plantez pois. Souvenez que 10 ans de prospérité. Plantez pieds-bois, plantez fruits, plantez mango, plantez avocats, plantez bananes. Mais souvenez que 100 années de prospérité, qu'est-ce que ça vous fait? Fais éducation. Ou bien l'église baptiste, votre prince, s'ouvrez. S'ouvrez. Dans 2114, qu'il y a parlé de vous. Alors que nous, même génération, ça nous allait dans l'école du dimanche au Seigneur. Ensuite, l'école du dimanche est importante pour l'église. Non seulement c'est une obéissance à Dieu, parce que Jésus-Christ m'a dit, nous devons faire ça,
Non seulement nous avons pour devoir pour nous capables d'enseigner la parole à la génération future là, parce que je dis à nos bons monde qui étaient là en 1924 ou bien en 1914, qui parlent là comme hier, dans la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous-mêmes qui là, mon choral qui a célébré 60e anniversaire dernièrement, et pourtant, vous nous rappelez que Coral Sar, qui prend naissance en 1954, mon qui l'a donné, il a depuis bonheur, et on a l'année 75. Donc ça veut dire ouais, que toute génération qui était là en 54 là, il est là. Amen. Pour que amen, nous assurions de la pérennité de cette église investie dans l'éducation chrétienne, dans l'école du dimanche. C'est le chemin de la justice. Frères et sœurs, dans verset 25, là, le texte l'a dit, ça que nous lisons là, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel. Nous lisons dans Proverbe chapitre 14, verset 34, la justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. La justice est quoi? La justice est ce qui est normal. La justice est ce qui est correct. La justice est ce qui est droit. La justice est ce qui est propre. La justice, c'est ce qui est honorable. Ok? Mais, ce chemin la justice dans l'Église, ce chemin la justice dans une nation, lorsque on choisit la route de l'éducation, lorsqu'on choisit la route de l'école, lorsqu'on choisit mes frères et mes sœurs en Christ, pour que dans l'église, ça, demain, même si nous allons, demain, si c'est pas une mariée là, c'est l'éducation pour nous planter aujourd'hui, là, pour que sorte là, l'irrité, la justice et l'indignation, pour nous connaître exactement ce qui ça nous bâtit ça. Pour demain, pour ne pas arriver ici à bon là, pour nous dire, oh oui, c'est samedi pour nous chacun. Parce qu'elle ne peut pas qu'on est bon, ou bien, on a fait tous les deux. De sorte que les Jésus viennent ici, c'est samedi à quoi nous tout là, c'est dimanche à quoi nous tout là, tout. Point route, l'éducation. Point route, l'école du dimanche. Point route, la justice à lever nous. Planter. Pour 100 ans, qu'a fini là. Comment ça vient? Il y a une raison qui a fait pas le temps pour l'école du dimanche. Mais même regardez, on a dit ça avec exemple, l'école du dimanche. C'est l'école qui a place pour tout le monde, pour tout l'âge, qui est l'école du dimanche. Yo pas qu'à garder mon lien, mais yo ouais ma bonne en ligne des gardiens. Parce que ça va sans laver. Yo pas qu'à garder mon lien tout pour t'apparaître, puis yo garder yo en mon classe de baccalauréat 1, pour y aller fondamental. Y'a mal fait dans la chambre pour moi, même parce que m'assembler à ça. Mon connaît, l'école du dimanche semble avoir l'eau tout petit, il semble avoir l'eau petit jeune. Il semble avoir l'eau marié, il semble avoir l'eau pas encore marié, il semble avoir l'eau vieillard, parce que c'est ça l'école qui vient place pour tout le monde. Amen. On est intéressé à l'école du dimanche. Comment est 234e anniversaire ça, frères et sœurs? Il y a des raisons qui a poussé ou pas faire partie de l'école du dimanche. Même les deux, je ne vais pas citer eux, mais raison spirituelle et éternelle pour participer à la donne de l'Europe. Et qu'on y a,
Fiquem no fim.